il fallait pas mal être dans un lieu public. Parce que dans les publics, les gens ont même ses réputations, nous faisons le canon de Ronanga en coulisses. Et il y a un bon nombre de gens qui profitent si on a ma vidéo pour ça n'importe quoi. Moi d'abord, vraiment, mon humilité. Je vais te profiter pour ma bébé. Et je vais te dire que le message est en mode, fais le cas papa en coulisses. Mais quand il y a un lieu public, il y a des gens qui vont te mêler. L'humilité, nous sommes avec moi ensemble. D'abord, on est aussi dans l'Olympus. Nous sommes tous les gens qui ont vidéo, on va pardonner. Parce que là, la précipitation est dans les médias. Donc, il y a des gens qui ont salué la réputation pour la mission que les autres. Roger Baca. Eh, moi, na maman, au bout, quand on a été au solo, maman, juste une vite, il y a des coachs à l'opposé en tout ton abino. Aïe, na bakisi, aux autres traités va tempo. Banduta, babo kona nenga na nenga oepe saka mbindo pe bosoto na kati ya ndoto na bino Loko la poche des yeux, ride na elongi, vieissima, o profite na cash ne okoma kobo melongi, okoma koweke la ndoto na osoni, kobu kanate, lukaka ka mama jisnovite, okozonga leke leke, mwete mwete, ku mama na ngaye. Babi mama jisnovite, azo soanye nyo so etali lo posu ya ndoto na bino, yo mutobete la batampo. Et ça la kezan vete si la kate, et le nyen zuluka, et comment le komba tu mena de pomakala, yaka potebi docteur zaka kamoko, coach zaka kamoko, kozoe ezana mo facile, azape na Facebook, WhatsApp, basit nyon sur internet, ce qui l'on zo va produit nae, livraison na moza partout dans le monde, tobeta www.disnovit.com, azo se la paix contributive, tobenga biso awana, plus 44. 74 24 025 737 Nabwane Lissoussou plus 44 74 24 025 737 Balapa. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre humble serviteur, le pasteur Israël Nash. Il n'a pas pu le bambouter dans le bureau. Elle écrit précisément pour un message Moko Ndoto na lotaki. Lotaki Ndoto pendant la nuit c'est via papa Roger Baka. Alors il fallait pas mal que on a lieu public. Parce que dans lieu public, les gens ont même ses réputations de faire le canon de Ronanga en coulisses. Et il y a un bon nombre de gens qui profitent si on a si ma vidéo pour ça n'importe quoi. Moi d'abord vraiment mon humilité. Je vais te profiter pour ma bébé ça. Et mine c'est pour la qui n'a. Message est en mode, fais le papa en coulisses. Mais quand il y a un lieu public, il y a des gens qui vont te mêler. L'humilité, nous sommes avec moi ensemble. D'abord, on est aussi dans l'Olympus. Nous sommes tous les gens qui vidéo, on va pardonner. Parce que nous avons la précipitation dans les médias. Donc, il y a des gens qui ont salué la réputation pour la mission que les autres, Roger Baca. Et parce qu'on va profiter de la vidéo pour ça, n'importe quoi. La future, il y a des gens n'importe quoi la vidéo pour la mission. Une fois pour toute image pour la vidéo de sa mec. Et d'abord, la scène qui parle ensemble va pardonner à eux, dans les actes qui vont. Et puis, na dresser ma pardon à papa, la mission évangéliste Roger Baca. Et je pense qu'à vous allez se dans mon thème en ligne, ça n'est plus à ça pardonner là déjà. Voilà. Donc, message, il fallait pas. Et les qui la même loi. Et en faisant des erreurs, on accueille la sagesse. Merci beaucoup. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur Shalom, c'est bien moi votre humble serviteur, le pasteur Israël Nash. Il n'a pas pu le bambouter dans le bino. Elle écrit précisément pour un message Moko Ndoto na lotaki. Lotaki Ndoto, pendant la nuit, c'est via papa Roger Baca. Alors, il fallait pas mal que l'on a lieu public. Parce que dans lieu public, les gens ont même ses réputations de faire le canon de Ronanga en coulisses. Et il y a un bon nombre de gens qui profitent si on a ma vidéo pour ça n'importe quoi. Moi d'abord, vraiment mon humilité. Je vais te profiter pour ma bébé. Et je vais te dire que le message est en mode, fais le cas papa en coulisses. Mais quand il y a un lieu public, il y a des gens qui vont te mêler. L'humilité, nous sommes avec moi ensemble. D'abord, on est aussi dans l'Olympus. Nous sommes tous les gens qui vidéo va pardonner. Parce que là, la précipitation est dans les médias. Donc, il y a des gens qui ont salué la réputation pour la mission que les autres, Roger Baca. Et parce qu'on va profiter de la vidéo pour ça, là, n'importe quoi. La future, il y a des gens qui ont n'importe quoi la vidéo pour la mission.
une fois toute imaginée pour la vidéo de Sanek. Et d'abord la chaîne qui parle ensemble va pardonner na oyo na les gens qui bongo et puis na dresser ma pardon na papa na biso évangéliste Roger Baka. Et je pense qu'à aux années c'est dans mon thème mon livre ça n'est pas ça pardonner na déjà voilà donc message il fallait pas elle qui la même voilà. Et en faisant des erreurs on acquiert la sagesse. Merci beaucoup, merci Zama. Croyons quand même à ça. Mais même en parlant de la prophétie, le prophète Henri, parce que le Kolaouza quand même prophète, qu'on touche aussi un point, on va épingler ça rapidement. C'est pas trop fan de la souriangote. Mais déjà, et ça l'on est comment on a quand même contre la contradiction en fait, où certains serviteurs de Dieu qui sont contre la prophétie. D'ailleurs, j'ai vu comment est-ce que prophétie sur Marambert Diaspora, dans mon prophète, bon, déjà, homme de Dieu, soit à Télémélyango. Déjà, il y a le Béaza d'accord d'un côté, voilà, voilà. Je crois que peut-être Alanda qui message en bien-té, parce qu'il y a certains trucs, il y a certains éléments où au évangéliste Roger Bakalo. D'ailleurs, je voudrais même mettre l'absolue image d'apôtre Wana Zolo. Il y a quand même prophétie Wana Diaspora. Après, je vais lui demander aussi à l'apôtre de venir sur ce même plateau, na expliquer la Bible comment est-ce que ces choses vont s'accomplir. Parce que la Bible est bien. Peut-être que le roi Congo, à mon avis, il y a un Congo qui va rembourser la main. Peut-être qu'il va comprendre. Mais bibliquement parlant, plusieurs fois dans la Bible, Dieu a déjà fait ce genre de choses. Dieu a déjà fait ce genre de choses. Israël en Égypte, il y a un Égyptien. Il y a un Congo qui va gagner en Égypte. Mais il arrivait en temps de faire des choses, il y a des choses. Le prophète attend à l'écriture. Lui, le prophète. L'écriture a bien monté. Quand il y a des choses, il y a des choses parce qu'il y a des choses. Il y a des choses qui sont en Égypte. Mais il y a des choses. Pourquoi tu es venu chercher Moïse? N'est-ce pas pour faire sortir son peuple en Égypte? Il y a une mission à 5 offrandes, nous avons 50 dollars, 100 dollars, on va escroquer 1000, escroquer 1000. Parce que nous avons un zongi dans le Congo. Qui sait le plan de Dieu pour le Congo de demain? Qui sait, papa Alain? Peut-être que le Congo sera un pays plus que Bambo Gamsusu. Quelle était l'Éthiopie 20 ans passés ici? Et ça, qui dit l'Éthiopie 20 ans, 25 ans passés. C'était quoi? On voyait quoi en Éthiopie? Sauf que nous sommes dans l'Éthiopien. Au moins, nous avons un Konda, un Moukier, un Zangatina. Mais est-ce que c'est l'Éthiopie? Donc il y a encore de l'espoir pour les Congo. Il y a encore de l'espoir. Un pays comme ça, un pays comme ça, comme le Congo, malgré la dirigeant de Babaza Mabé, malgré le pouvoir politique et Kamamakamlenge Lingi, mais il y a encore de l'espoir pour le Congo. Parce que la décision de Dieu, personne ne peut côté les mélangos. Job, en accord avec Job, chapitre 42, verset 2, prophète Atan, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Job, chapitre 42, verset 2. C'est-à-dire que Dieu peut tout, il peut changer le Congo. Et personne ne peut s'opposer à la pensée de Dieu. Si la pensée de Dieu, et ça a bana rolongo la kobana président, si na bato bana se a changé, bato pomoke bon, Dieu le fera. Sur les gens qui matin na bato ba uta libana, ba ko construit, ba pesa misala, diaspora sa misala, Dieu le fera. Donc un vrai prophète ne va pas s'opposer à une prophétie comme ça. Parce que je dis toujours, toute prophétie qui n'est pas liée à la parole de Dieu, c'est la prophétie à rolandate. Mais si Dieu a déjà fait sortir un peuple, on va dire qu'il est en Égypte, on va dire en Égypte, à cause de la douleur, il n'y a pas sur mon qui a bango. Si vous avez un bataille africain, pas sinon un comité, mais à prévenir les amis qui sont en Égypte, même on va se poser la question, de la même manière que Israël posa la question à Moïse dans le désert. Mais au long de la et c'est là que tu es tu es difficulté pas commis. Il faut que tu aies un peu de temps en Égypte.
Donc, tu as comme on dit, même, il fallait la souffrance au Rwanda, comment? Oui! Il fallait tout ce qui est la souffrance, on a question. Mais les jours où Bakati met rouge, Babandi louange. Les jours où Bakati Kana, Babandi louange. C'est que lorsque Dieu vous. Si Dieu parle, c'est qu'il a prévu quelque chose. Nous avons une Dieu ne peut pas faire sortir Badouna Diaspora. Bazonga na mboka na bamboka na bango. Kana pamba boya bongi c'est le roté. Non. C'est un Dieu juste. A dit que bana ba famille, bana, botika misala, Congo misala ezatenenge. Certains peuples de Batika Rwanda coupé à waté, mais sous ce même. Dieu a quand même un système à une ngeni na ko sala. C'est comment ça va se passer. Papa Alain, o te bité ngana yo. Ezat o ko se passer dans 2 mois. Je dis, je vis en esprit. Les vaccins copés, ça m'a avec force pour les Noirs. Je dis pour les Noirs. Les vaccins se donnaient avec force pour les Noirs. Et les Noirs ont besoin de résister. Je leur ai vu quelque part, très loin, isolé. Au Koyo, dans quelques mois ici. Baba nous sommes africains. Baba tchaba nous quelque part, baba nous va résister à la vaccin. Et c'est la chose, parce que c'est la chose qui fera que l'Africain est belé. Parce que de là où ils seront en isolement, alors ils vont eux-mêmes crier na ba autorité mboka wana bozon que na mboka na biso. Le plan est que mounele atika la ebele noir a comme mukie. Dieu aimant les noirs, Dieu lui-même aimant les noirs. Nzamba tala papa Alain, Dieu aime l'Afrique. Dieu là, il aime l'Afrique. Il est ici, Dieu, en Afrique, dans Mazali. D'ailleurs, Toza continue à réfléchir pour Naïe. Balinga Babo, Maïe, Paéro, Christ, Akima, en Afrique, en Égypte. Donc, Dieu aime l'Afrique. Et aujourd'hui, ce qui est diaspora, bah, prêtez attention. Nabo Moto Nangaboué, Narobi Sabandero, Bobon de l'Anzambe, Tosenga Mawanaïe, qui était l'abino, pour Makamboane, combattre Nengenzambazo, le Bango. Car il est possible. Mais l'insistance à prophétie sur le plan prophétique n'a pas de robot obéir à ce que l'esprit est en train de dire. Rentrez, que chacun a sa direction yambo kanaï. Awa tozoro bango le roi la bavanti. Tozoro bango pour me salamite. Papa, lorsque cela va commencer à frapper, tant que vous voyez Guané Poli, si seulement tu auras ce qui sortait de la bouche des prophètes. Et je me dis toujours, pourquoi moi, prophète Henri, résisterais-je à la prophétie qui est sortie et pas évangéliste Roger Baka? Il n'est pas Dieu. C'est un homme. Il a ma faiblesse, il a ma défaut. Mais je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je suis accomplissement. Je redoute quand il y a la prophétie de diaspora. Je vous informe, il y a déjà battu. Au Baba Niko Zoma. Malgré que je suis médiatisé en côté. Mais bientôt, comment idiotiser? Il y a déjà des gens, on va comprendre, on s'en bataille. Il y a des gens qui m'appellent papa, ma cambouana, parce que ça colle pas évangéliste. Je suis en depuis 2005. Je suis en depuis 2012. Je suis en depuis. Je parce que moi, visibilité Zali, je suis en bataille et je suis en bimba. Je suis en train de me battre. Ce qui est en train de me battre, je suis en c'est-à-dire que ces choses vont arriver le lendemain de Zambazo le Bango. À moins que n'abaisse intercession d'abiso, Zamb ayo kapena mawa a se décider autrement. Mais ceux qui Zamb a gardé position naie et que les Africains de là où vous êtes, bonjour à Nambo Ranabino, parce que quelque chose va se passer. Comme ça, mais esclave Nambo Kawana, papa Alain, ça va s'accomplir comme ça. Et tant Marambouane Koma, la diaspora va commencer à pleurer. Si seulement on avait écouté, malba oba s'accoler. Donc un prophète qui s'impose à une telle prophétie, c'est que Aïbi Zambé Malamouté, un prophète comme ça qui prend le temps. Je vous dis, ma pasteur congolais au Bazobo Yango, c'est ma pasteur Aïbi Gayenne Nazawana Salam Salaté, c'est un paresseux, il est nulle part à part l'église, il dépend aussi quand on a une mission dans la diaspora. Aïbi Zambé Salam une mission, a t un miracle à l'Okuta, après, c'est un machioniste d'abord ce pasteur. Aïbi Gayenne Code Route en apôtre, donc, je pense que j'ai écouté sali abatu o kanza j'ai écouté na on a ba pasteur bino bo sa batuba zonga suko biso mbongo to kozwa at ba na batina mbongo mais yo suko lo gra ama mutu mama sa e robe bakuna soka bebi mbongo yo zonga
Qui sait le projet de Dieu pour ces hommes demain? Qui sait le projet de Dieu pour tous ces gens qui sont là-bas demain? Donc, parce que on va protéger nos propres intérêts. Le pasteur protège les propres intérêts. Papa Alain, bon, on a battu dans deux mois. Décembre, janvier. Tu m'as fait vouer, Bazombo. Si seulement Dieu se décide, ma ramène ça dans ma. Jamais février. Ce sera deux mois terribles. Alibanamouk. Donc, cette prophétie est de Dieu. C'est grave, prophète Henri, votre réaction sur la conversation où on nous parle déjà de vaccins, parce que il n'y a pas très longtemps là, je me rappelle, il y a quelques émissions, si nous parlons le même langage que Jordan, je crois que si je garde bonne mémoire, vous avez interdit, vous avez parmi Batou Anekoté, mais là, ah, Maramba vaccin, Batou Animati. Mais aujourd'hui, petit à petit, même le blanc, c'est que les gens qui vivent à l'étranger commencent à valider qu'effectivement il y a un vaccin boye boye. Bah comme ils ont dénoncé, Maram Oyo balu n'a pas préparé pour na bah vaccin Oyo. Réaction na yo tant aux hommes on a quand même Maram Oyo déjà au bavano télé mais les lots sous ces ozonga. En accord avec Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1 au verset 3 ou 4, posons le fondement. La Bible dit ceci, je lis Habakkuk chapitre 2 à partir du verset 1er, lisons, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Certainement. La première fois, Nzamba répétait deux fois. Mais elle s'accomplira certainement. Certainement. Il dit elle s'accomplira. Mais Nzamba t'a dit qu'il y aura des gens qui vont douter. Ah bah, qu'ici, elle s'accomplira certainement. C'est-à-dire que on a prophétisé. On a dit. Batouba soit vacciné. Parce que le vaccin contre la COVID-19, c'est le signe de la marque de la bête. Si on dit que le COVID-19, c'est le signe maladie, toute maladie est un esprit. Maladie, nous sommes, et nous avons un esprit quelconque. Dis-moi dans quelle Bible ou dans quel livre, nous avons un esprit, un vaccin. Dans quelle Bible, dans quel livre, il faut bien un esprit, un vaccin. Parce que tout ce qui se passe sur la terre est lié aux esprits. C'est lié aux esprits. Parce que dans quelle Bible et dans quel livre, il faut bien un esprit, un vaccin. Donc, les vaccins contre la COVID-19 est le signe de la marque de la bête. La prophétie a été prophétisée. Et Ata Ebaniko ou Melandengenin. Batoubaye Bakyo, ça marche à son terme. La prophétie de Dieu est la prophétie pour le temps de la fin. Ce qui doit arriver. Batoubaye, c'est le temps de la fin. Le temps de la fin est en haut. Tosa déjà. Et le vaccin contre la COVID-19 est parmi les signes. Il y a temps de la fin. Pourquoi? En accord avec Apocalypse chapitre 17, je crois. Apocalypse chapitre 17, je crois au verset 1er. Apocalypse. Chapitre 17, au verset 1er, n'a expliqué pourquoi ce vaccin doit exister. Pourquoi il ne faut pas se faire. La banigan à verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des impies, des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre de sang des saints et de sang des témoins de Jésus. Et en le voyant, je fus ainsi, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu?
je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. La bête que tu as vue était, elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était, elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les sept têtes sont les sept montagnes. Écoutez, les sept têtes que tu as vues sur la bête sont les sept montagnes sur lesquelles la femme est assise. Pourquoi le vaccin contre la COVID-19 est satanique, est marque de la bête? Parce qu'au dernier jour, le diable doit rassembler le monde entier pour adorer Nzambe Moko. Au dernier jour, c'est ça qu'on va appeler la guerre de Gog et Magog et la guerre de l'Armageddon. C'est-à-dire qu'il faut Mokilimo Bimba, Babana Kwa adorer Nzambe Moko. Que la femme et l'homme qui me suit va comprendre que nous sommes sur la terre comme des pèlerins. Et il y a un temps fixé de l'homme sur la terre. Il y aura ce qu'on appelle dans les jours qui viennent l'enlèvement de l'église. Et l'enlèvement se fera dans deux parties. Première partie, bateau va couffer en Christ. Et deuxième partie, bateau va couffer après la grande. On va couffer dans ma soumou. Mais bateau qui va élire en Zambé. Bateau qui va grande tribulation. Après, bateau couffer, bateau va enlever après la grande tribulation. Et aujourd'hui, Boye, l'enlèvement de l'église, c'est pourquoi? Parce que la Bible dit que les salis est parmi vous. C'est-à-dire que dans ma belle, il y a une fois de salis. Avant, moi, on a beaucoup. C'est-à-dire que les vaccins dont je parle, pourquoi je dis que c'est satanique? Parce que par rapport à l'Apocalypse 17, Bible Zoloba, la femme a fendu le colo, il y a une bête, et puis a fendu le colo, il y a maille. Moi aussi, a fendu le colo, il y a bête. Mais bête, si on a fendu le colo, il y a maille. Si le fond de mon mari s'en a pas adoré, et que vous êtes un représentant de Satan, or, son représentant s'appelle le pape. Oh, Azola, ta chapeau vicarius, oh, exact pour collaguer ça. Représentant un diable sur la terre. C'est pourquoi l'ordre mondial, le nouveau ordre mondial, ne doit venir que dans Zela, il y a pape. C'est pourquoi c'est le pape qui a annoncé que dans quelques temps, il va annoncer l'ordre mondial. Or, on a quatre ordres mondiaux, Luana. Ça veut dire qu'il y a un vaccin. Or, c'est la marque de la bête. Parce que vaccin, en réalité, est un nouveau ordre mondial. Le vaccin qu'on voit là, contre Covid, est un nouveau ordre mondial. Il y a un ordre mondial. Or, et y a la marque de Satan, parce que la marque de la bête européenne, ça m'a raté un enlèvement. Mais de là sur la terre, il y a des gens qui vont vivre cette marque de la bête. Ceux qui ont dit qu'on dit ma vaccin, ils ont proposé du saut. Ils en ont plus. Ils en ont plus. Ok, d'accord. Et pourquoi je prends l'écriture d'Apocalypse? La femme représente l'église. L'église, afin de l'Ukolo Niyama, la bête. La bête, c'est le diable. Mais afin de l'Ukolo Maï, Apocalypse 17, 15 dit les gens que vous voyez sont de foules, de peuples et de nations. C'est-à-dire que l'église m'a reboyé, et fondé l'Ukolo Satana, le fondement de l'Ango. Mais ma fondé ce qu'on a foule, n'a pas peuple, n'a pas nation, l'Ukolo peuple. Mais ma yuana, ce qui est étonnant, et ça l'Ukolo y a sept montagnes. Je vais poser la question au monde entier. Quelle est cette église? Où est ton ami l'Ukolo sept montagnes? C'est Vatican. Et ça Vatican est ton ami l'Ukolo à sept montagnes. Donc je vois catholique. Cela veut dire, catholique comme la femme, il est assis sur la bête. Naza en tout cas responsable de la propos dans Ngaïmoko. Catholique comme la femme, il est assis sur la bête qui est le diable. Baza construit sur les sept montagnes. Namoni Bamoro Vatican. Batman ça va recherche. Il n'y a que Vatican qui est construit sur les sept montagnes. Cela veut dire que tout ce qui sort là-bas, oh papa lobby, Satan. Homosexualité, papa lobby, Satan. Vaccin, papa approuvé, Satan. Or, toutes les autorités politiques, a commis autorité politique, il faut que nous écoutions le pape. Si nous avons un peu de temps, nous avons un peu. Le pape qui n'a pas Dieu. Il y a une commission qui n'a pas Dieu. Il n'y a pas de pape.
C'est pourquoi le pouvoir politique est détruit. Et bah, tout le monde, il y a un mot différent. Bah, il y a un vaccin. Wana. Sous ordre, il y a pape. Pour elle, ça que le vaccin n'est pas de Dieu. Le vaccin est un marque qui est bête. Ou est-ce que sangui sa mokili mobi ma bako mana eloko, ma ko ma moutou moko. Mais ça sera le diable derrière ça. Et puis, or, je pose la question. La Bible dit que Dieu est un Dieu miséricordieux. Pourquoi aller miséra Satan à terre? Parce que le diable a déjà la marque de la bête. Il est lui-même la marque de la bête. Le pardon pour lui est athée. On moutou ou yo innocent. Moi, je n'ai pas de Ayebite que vaccin ou examabe. Ma pèse en haut quand même. Automatiquement, azu marque de la bête. Ata bandiko gêné. Amati bangomba aboneli. Pour lui, le pardon est fini. Tout droit, le jour de l'enlèvement, il verra l'enfer. Donc, le diable se prépare calmement pour que l'enfer ne soit pas rempli que de lui et ses anges. Mais na batouba innocent batouna sa mabele. Dans le Seigneur, Shalom, c'est bien moi votre humble serviteur, le pasteur Israël Nash. Il n'a pas pu le bamboter la bino. Elle est qui précisément pour le message de Moko, Ndoto na l'otaki. L'otaki Ndoto, pendant la nuit, c'est via papa Roger Baka. Alors, il fallait pas mal que l'on a lieu public. Parce que la lieu public, c'est ça, pour même ses réputations, nous devons le Canada Ronanga en coulisses. Et il y a un bon nombre de gens qui profitent si on a si ma vidéo pour ça n'importe quoi. Moi d'abord, vraiment bon niveau. Je vais te mettre à profiter pour ma bébé. Et je vais te mettre à un message à mon père, à mon papa en coulisses. Mais quand il y a un lien public, il y a des gens qui vont te mettre. Humilité, nous sommes en tant que moi ensemble. D'abord, on est aussi dans mon limbis. Nous sommes en train de faire l'année qui vidéo, on va pardonner. Parce que c'est là qu'il y a la précipitation dans les médias. Donc, il y a des gens qui ont salué la réputation. Pas la mission que les Roger Baka. Et parce qu'on va profiter la vidéo pour faire ça, n'importe quoi. La fille m'a dit, pour pas le faire n'importe quoi la vidéo, pour avoir des sous-sous. Une fois pour tout imaginer pour la vidéo de ça. Et d'abord, la scène qui va l'ensemble, va pardonner à eux, dans les actes qui vont. Et puis, na délaissé ma pardon à papa pour la mission évangéliste Roger Baka. Et je pense qu'à vous allez essayer de monter mon livre, ça n'est plus assez pardonner ma déjà. Voilà. Donc, message, il ne fallait pas aller que la même loi. Et en faisant des erreurs, on accueille la sagesse. Merci beaucoup. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom, c'est bien moi votre humble serviteur, le pasteur Israël Nash. Il n'a pas pu le bamboter la bino. Elle est qui précisément pour un message de mon corps, Ndoto na l'otaki. L'otaki Ndoto, pendant la nuit, c'est via papa Roger Baka. Alors, il fallait pas mal que l'on a lieu public. Parce que la lieu public, c'est ça, pour même ses réputations, nous devons faire le Canada Ronanga en coulisses. Et il y a un bon nombre de gens qui profitent si on a ma vidéo pour ça n'importe quoi. Moi, d'abord, vraiment bon niveau. Je vais te mettre à profiter pour ma bébé. Et je vais te mettre à un message à mon père, faire le papa. En coulisses, mais quand il y a un lien public, il y a des gens qui vont te mêler. Humilité, nous sommes en tant que moi ensemble. D'abord, on est aussi dans mon limbis, dans ma tenue, sur l'année qui vidéo, on va pardonner parce que c'est là que la précipitation est dans les médias. Donc, il y a des gens qui ont salué la réputation pour la mission que les autres, Roger Baka. Et parce qu'on va profiter de la vidéo pour faire ça, n'importe quoi. La fille m'a dit, pour pas le faire n'importe quoi la vidéo, pour avoir des sous-sous. Une fois pour toutes, imaginez pour la vidéo de Sanek. Et d'abord, la scène qui va l'ensemble va pardonner à eux, dans les actes qui vont. Et puis, na délaissé ma pardon à moi, papa, par la mission évangéliste Roger Baka. Et je pense qu'à vous allez essayer de monter mon livre, ça n'est plus assez pardonner à déjà. Voilà. Donc, message, il ne fallait pas aller que la même loi. Et en faisant des erreurs, on accueille la sagesse. Merci beaucoup. Merci. En accord avec la parole de Dieu, il est clair, quand les chrétiens nous préviennent déjà pour dire qu'au dernier jour, plusieurs seront ennemis de la vérité. Oui, bien, papa Alain, lorsqu'on devient ennemi de la vérité, c'est-à-dire on devient vraiment ennemi. Alors du fait, il y a comme ennemi à vérité, ma vérité. Or, si la vérité que tu cherches à détruire
passe par certaines personnes, c'est-à-dire Batbaoko m'a obligé, il y a que détruit bateau vérité sur les Canadiens na bango, base à les sous-souter parce que ceux qui va exister les sous-souter et qu'on a une manière de leur faire taire. Je bénis en passant et je salue en passant aussi l'évangéliste, le pasteur de la foi, et aussi l'évangéliste Roger Baka, que j'ai beaucoup d'estime pour ces deux hommes de Dieu. Son Atali Bassa dans un moment mis balai. Je vois l'évangéliste Roger Baka dans la vérité. Je lui vois dans les prophétiques des choses qui arrivent. Je lui vois dans la saine doctrine. C'est-à-dire, c'est une personne, je lui vois aussi dans ce travail de Yako combattre l'anti-valeur pour restaurer les valeurs spirituelles dans la carte église. C'est parmi les œuvres que le diable ne voudra pas. Que ça la manassa m'abélé. Lorsque je regarde la vie de l'évangéliste Mayata, je vois un homme qui parle de la foi, un homme qui prêche la repentance, un homme qui nous parle d'abandonner les péchés, de suivre Jésus et d'augmenter la foi en Christ. Or, c'est deux choses déjà. Imaginez un homme qui prêche la foi. Or, Jésus-Christ s'est dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire que lorsqu'un homme prêche au monde, d'avoir la foi en Christ, tant que je ne suis pas agréable, je ne suis pas agréable. Alors, il faut détruire cet homme pour attirer le poser fondement, il y a sainte doctrine dans le cadre de l'âme, il y a tout. Enfin, tout ce qui est le cas de pasteur, il y a un poteau, il y a une élévation, il y a un mongo, il y a un succès. L'évangile de la prospérité, je ne le condamne pas trop. Et c'est aussi biblique. Plus de 100 fois la Bible a parlé de l'argent. C'est-à-dire c'est biblique. Mais l'évangile de la prospérité n'est pas la base de la doctrine, de la sainte doctrine. C'est-à-dire que lorsqu'on prêche une fois la prospérité, on doit prêcher 10 fois la sainte doctrine. On doit prêcher 10 fois la repentance. Alors, bato mi balé na landi basa na nzambe omi balé. Vous voyez que ce sont des personnes qui attaquent le diable. C'est vraiment des cibles au diable qui ont été à Manassa Mabele. Et c'est pourquoi vous allez au moment que le diable voudra en tout cas détruire ces gens. Ceux qui ont louqué dans Massa Siboyete, ceux qui ont louqué dans le monde, déjà en esprit, tellement c'est un loin de Dieu. Tellement ce sont des loin de Dieu. Le diable combat le loin. Et la Bible dit ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Ces gens sont les prophètes de Dieu. Parce que la vraie prophétie, c'est la grande parole. Des personnes qui annoncent la sainte doctrine, ce sont de vrais prophètes de l'Éternel. Alors la Bible dit ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est-à-dire que lorsque vous touchez aux oins de Dieu, vous touchez automatiquement ou indirectement à Dieu lui-même. C'est pourquoi Moutou Oyo, et moi ça me fait peur. Attendez, on pose le fondement un peu. Ça me fait très mal de savoir que c'est dans l'église qu'on retrouve ma poison, ma escroquerie, ma arnaque, ma ramandengue. En accord avec Deutéronome chapitre 29, verset 18, ou même jusqu'au verset 20, posons les fondements. Il y a parmi, qu'il n'y ait ni parmi vous, pardon, ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne. Dont les cœurs se détournent aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir le Dieu de ces nations, le petit Dieu de ces nations. Qu'il y ait point parmi vous des racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Je saute au verset 20, la Bible dit, l'Éternel ne voudra point lui pardonner. Mais alors la colère et la jalousie de l'Éternel s'enflammeront contre cet homme. Toutes les malédictions écrites dans ses livres reposeront sur lui et l'Éternel effacera son nom de dessous de le ciel. C'est vrai que c'est Dieu ici qui est en train de parler. Qu'il y ait parmi vous, ni dans vos familles, ni dans vos maisons, ni dans vos fils ou des femmes ou des hommes, des personnes qui se détournent de l'Éternel. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un dans l'église a comme dans l'icône ici, et retient la moutou poison, mon pasteur ou a-t-il pasteur au poison,
Lorsqu'il y a des gens comme ça dans l'église, sachez que ces gens se sont déjà détournés de l'Éternel. Parce que moutons en anzame, alors qu'on ne voit jamais les canaux qui ne boivent pas de poison. Seule la personne qui se détourne de l'Éternel ne dit pas au côté d'un mouton manaye. C'est pourquoi après que l'esprit de l'Éternel a quitté Saoul, au moment il me le dit, un esprit mauvais a possédé via Saoul et a commis que le gars commence à bomba David. C'est seulement lorsque l'esprit de Dieu te quitte, lorsque vous entendez parler dans l'église. Frère, passez au poison. Sachez, comprenez que l'esprit de l'Éternel a quitté ces gens. Et c'est un esprit mauvais parce qu'il n'y a pas d'esprit naître. Si tu n'as pas un esprit de Dieu, n'est-ce pas, Bélé, que n'est-ce pas, Moli, moi, Satan. Si vous voulez, c'est Satan, c'est un homme en Zambé. Mais est-ce qu'ils le savent quand même, Nana Katao, prophète Henri, est-ce qu'ils le savent que déjà, Tinao Salam Salaboué, l'esprit de l'Éternel n'est plus sur moi. Ou bien, ça, la Kayango, parce que si réellement, Baye Bakayango, ils auraient dû aller chercher à reparer avec le Seigneur afin que l'esprit puisse revenir. Mais pourquoi est-ce que ces gens gardent silence et continuent à recevoir même les gens pour leur faire voir que non, l'esprit de Christ est encore là, alors que l'esprit n'y est plus? Lorsque Dieu créa le monde, il créa deux sortes de personnes. Il créa le fils de l'éternité et le fils de la perdition. Dans le fils de la perdition, c'est alors qu'en accord avec les critiques, il dit: il y a plusieurs appelés, mais peu de lui. Peu de lui. Cela veut dire, bateau, madame, ma fils, il y a perdition. Alors, comme un pasteur, alors, comme intercesseur, alors, comme un chantre, mais à cause de la seulement moyen, le quoi la peau, pour bateau, baye, banza, menanzela, naye, mais bateau, on a baroque, ne verre, nzambe, barotik, à la panaïté. Ok, permettre aux gens à ce que baque, ne verre. Baque, ne verre. Cassiété. Ok. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, lorsqu'a sali le soumou, la première, ce qui moudalinga yeba ozo landanga, olingi oyeba réellement ou dans la moine en Zambé. Et l'okwa li bosso na katan so sali le soumou, c'est la culpabilité. Mais lorsque vous voyez quelqu'un, kobo mabatu, kosa la mabé, mais continue dans ses voies, cela veut dire que c'est un fils de la perdition. Ata koma ki pasteur renommé dans le monde entier. Mais ceux qui n'ont qu'à venir à l'Issoum, à quoi qu'on s'est répandu, c'est-à-dire qu'il n'était qu'un pont, un appelé, mais il n'était pas élu. Car le royaume des cieux est prévu que pour les élus de Dieu. C'est pourquoi, au moins, Moutou, n'a qu'à Tchamabé, Mazo persévéré. Azoboma, Azo persévéré. Mais il va continuer à nous faire croire qu'il est seulement de Dieu. C'est pourquoi il aura aussi l'audace devant l'Éternel au jour du jugement. Pour dire: Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Alors la plus grande déception, ce serait que l'Éternel lui répondra que je n'étais jamais connu. Parce que ces gens, ils ont appelé pour que Bana Yanzambe, au travers Nzambe na Bango, envers Nzambe. Mais Bango Mango Barotik a commencé à Bokonza Likolote. C'est pourquoi ils n'ont même pas la culpabilité. Que Bango Yamuto Samasum. Bazo kenge laye, bazo pekisaye, bazo pamme laye, en accord avec Malobanzambe, mais akotik kate, akotik azo continue. Parce que ce katiki a horrifié comme Eli. Or, moutoko longwate, azaki fils de perdition, a commis Eli en Zambé, ko salamate. Donc, n'engi Zamba qui est là-bas, osa fils de perdition, au moun ali filou. Osa fils d'éternité, au moun alola. Aucun Eli a okot ali filou. Même au dernier jour de son souffle, Nassam Abélé. Celui-là qui même dans Nengenin, il va se repentir pour voir le royaume de Dieu. Mais est-ce que vous avez quand même cru à ces propos ou à la image, ou parce que Nakoyo que évangéliste Roger Baka, il est sous ce poison, les camba poison, ils ont qui est tout autour naïe, il est peut-être pasteur de la foi également, mais. Est-ce que vous avez cru quand même en ça? Non, je vous dis, je crois à ça. C'est vrai. C'est vrai, je connais la réalité spirituelle. Naïebi penza réalité à Molimo. Je suis un prophète. Naïebi nanyo debe quoi attaquer, nanyo debe quoi attaquer. Naïebi message n'y debe quoi attaquer, message n'y debe quoi attaquer. Déjà, ces deux personnes ont-ils expliqué?
Le diable ne voudra pas que Batanenga va exister. À cause de la nyonso, ce qui balogne na moli moté, baroluga na nzoto, on nzoto pourra encore que papa Roger Barakuna ba ba bété masasi, ba ba sala boye, ba ba sala boye. Et l'autre Mayata, ba il mettait la poison. Oui. C'est ça maintenant lorsque le combat quitte le niveau de l'esprit. Et c'est quoi dans d'autres? Et c'est vrai. C'est vrai. Aujourd'hui, papa, on retourne dans l'église, bah, empoisonnement et n'engue, n'engue. Combien de pasteurs qui sont morts aujourd'hui dans la poison? Combien de pasteurs qui ont dans la sassi? Combien de pasteurs qui ont dans l'enlèvement? Seulement parce que bah, on est qu'on porte l'évangile, la vraie évangile de Christ et la sainte doctrine. Et au dernier jour, comme la Bible le dit, les gens seront ennemis de la vérité. Batoua rolinga bato bati a bango prospérité kende liboso pambolama kende poto poto pe ngwana coronavirus kende lisusu awa évangile ko changer parce que te biso kende poto to ko pasteur kuna na poto corona évangile ebandi deuxième vague et tika lika nzambe neta robo ko liko na bango mais asu te biso su poto to ke su te qui voudrait que ne sera corona zone et so moment na église na bango évangile ko changer ba ko luka suko ya nenge mususu donc. Les gens doivent être enseignés par rapport à la sainte doctrine. L'évangile de Christ est quitté. On est changé et transformé afin que le jour où le Christ reviendra, au moins on a beaucoup de l'école, papa Alain. Alors, tu ne sais pas si tu as attaqué, 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 parce que le lobe a poison, c'est un dingue belé. Ces gens, c'est ainsi que la Bible dit par la parole que je viens de lire, l'Éternel a pardonné Bangote. Et toutes les malédictions du monde, toutes les malédictions écrites sur ce livre, et qu'on s'est reposé l'icône à Bango. Mais qu'est-ce qui fait que les lots comme on a anakati à l'église, moutouaké pour nakozoa lobiko, moutouaké comme étant à qui n'est local à la cité de refuge. Mais à quoi une cité de refuge? Trouvons le malheur dans la cité de refuge. Et si vous avez censé la protéger, à quoi nous sommes en insécurité totale. En fait, tout ça, c'est dit à quoi? Et ça, quand vous avez des autres qui ont des gens, ou bien, c'est quel genre de virus en fait, qui ronge ces milieux? Non. Vous savez, papa, là, l'esprit de la discernement est très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, non seulement il y a un manque de connaissances, mais aussi, n'a manque à esprit et à discernement. La Bible dit, mon peuple périt par faute de connaissance. Mais de quel peuple il s'agissait-il? Il parlait de la maison d'Israël. Un peuple où la loi est inscrite partout. N'a mesa boy, n'a mesa boy, loi. N'a ma porte en loi. N'a ma mbetu, loi. Mais comment est-ce que l'on a Bible que périr par faute de connaissance? Non, la Bible voulait réellement dire que mon peuple ont connu la connaissance, mais ils ont ignoré la connaissance. Ah, okay. C'est-à-dire que nous prêchons, les gens écoutent. Nous devons dire que le passé, on a témoigné à des personnes, c'est vrai. Mais le passé, on a dit qu'on a embêté. Les gens, je ne sais pas, on a quel genre de chrétien. Attention, on a fait un miracle, on a fait un mais parce que m'daganga ngaki eh na moni ose nzambe papa na kei yake olanda kuna c'est le début ya malheur na olususu. Pourquoi? Parce que en Égypte Moïse a ena lingenda Pharaon na ba magicien na ye na ba bague magique na ba baguette magique Moïse a bo ki a ena se baluki nyoka Pharaon pe na magicien na ye ba bo ki na bango na se baluki ba nyoka. Mais maintenant la différence, c'est le même miracle, n'est-ce pas? Nyoka, nyoka, le même miracle. Bah, on va opérer miracle. Dieu va opérer miracle. Mais maintenant, la différence, c'est la source. Il y a Moïse et où c'est pas dans Nzambe. Il y a Pharaon et où c'est pas le diable. Et le miracle dans Nzambe, le rôle de Nyoka est avalé par miracle et non sur Satana. C'est-à-dire que lorsque le diable a présenté un miracle, et un miracle est encore faible, car ça va te détruire. Et aujourd'hui, on a battu à quelle église on l'est à mon à l'obo qu'on zambé. On a une solution. Le rôle le lieu de refuge. Il y a qu'un est soumis bon ma bien église. Première chose, où le pasteur qui prie pour toi?
Ce qui est un Nzambete, il dépose sur toi sa vie. Okay. Parce que la Bible dit, l'homme donne que ce qu'il a. Il dépose sur toi cette malédiction qu'il a lui-même, qu'il porte lui-même. Parce que Azako est escroqué dans le Nzambe. Azako est escroqué dans le Nzambe, le Kola Hérode. Mais Azako est Nzambete. Des fois, quand on a la magie, des fois, quand on a la cabale juive, des fois, quand on a la science chrétienne, non, et on a la science cachée, on a la collection, on a tout. Et il y a Satana. Et un homme comme ça, lorsqu'il prie pour toi, il dépose sur toi sa vie. Mili mona son mabé Rolandayo. Oh, mili mona mabé. Et qu'on semble qu'on peut se guérison. Mais à la finalité, ça et qu'on détruit même. Peut-être tout ton corps sera détruit. Et qu'on empêche même Moutou, à mon assoubo contre le coloté. Et de deux, il y a aussi non seulement Bato, il y a un Zambé, mais Moutou Penzamba Bengate, dans l'automne. À la mougana tonga, à moni passé mon point à bango, ne pas jipe au tonda, ne pas tu bazoya, ma pelle de fond, ma bongo zoko d'habiter, c'est que maman zambo, et sa vraie cop. Il y a pas un nene parce que ça n'a pas mis tout à deux versets, à qui a fumé l'ipe et le ronaï. Batpe le roi de la banque, c'est un comment zambé à togende, pas de bakay non, ce que moutoura la problème. Il y a pas que si ka ok wana, le col en zambé moutabé n'a été. Activité wana 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 spirituellement, et la activité à bas démon. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont coopéré dans Moutouana. Parce que nous avons été dans Moussana. Papa Alain, nous avons raté Moutouana depuis Adam a mis ça dans le jardin. Adam, au sein de Pouanine, moi je suis au Yopé Sengai. Donc moi je suis au Lucas Namorote. Moi je suis au Nzambopé Sengai dans la salle. Depuis ce temps, nous avons été dans le Tika Rasouté. Libre choix. Libre choix. Yomo Salama. Yomo Salama. Mais Yomo Salama. Voilà. Mais il y a un salam à Ramnayo. Papa n'est pas sûr et au Simba. Donc, en passant. Amen. C'est-à-dire que, par la grâce de Dieu, nous sommes bien moutonnés. Mais il y a un mot qui est remis comme ça, pasteur. L'activité, tant qu'on a autant encore moins de on a atteint un Zambé au Yazobélé là. Qu'il croit qu'au Bélé là. C'est pourquoi dans la Bible, le démon a besoin de faire fils de prophète. Parce que les gens ont besoin de faire des billets. Paul a besoin de faire des billets. Bien, on a tout bien. Pourquoi? Parce que Dieu les avait appelés. Mais bino, bon temps à combattre les soumets, t'es illuminé. Mais n'est pas besoin de frapper par des démons. C'est pour dire qu'il y a une différence entre celui que Dieu a appelé et celui que Dieu n'a pas appelé. Ceux qui ont bien guetté, il y a pas que yo, n'a pas de démons, vous remontez moro. Bah, combien t'as yo? Bah, combien t'as n'a pas tout? Bah, yo, quand on zambe, solo, on zela na yo. Oh, yo, t'as bien guetté, on s'en va là-té. C'est pourquoi bah, tu vas venir comment? Et troisième des choses. Il y a des pasteurs qui travaillent pour leur propre ventre. Il était de Dieu, mais à Bunga. À comment est-ce qu'on travaille pour la gloire de Dieu, mais à comment on travaille pour son propre ventre. C'est alors que, dès que nous travaillons pour le ventre, à côté de l'activité de démon, nous sommes là. Nous sommes là. Et là, il y a besoin de passer à viser les gens à Moutouana. Et là, il y a besoin de viser les offrandes à Moutouana. Et le Bosso a visé les actions de grâce et les dîmes. Or, lorsque Abel et Caïn offrent une offrande devant Dieu, la Bible dit Dieu agréa Abel, après il agréa son offrande. C'est-à-dire que Nzambé a agréé l'offrande à Mounoudé. Au coin, il en a 100 000 dollars. Mais ce que Nzambé a bandit pour agréer vie d'ayoté, au coqui, au donc, attendez, au moins, non, le bon Nzambé. Parce que Dieu n'agrée pas d'abord l'argent, parce qu'il est le maître de l'argent lui-même, de l'or et de l'argent. Dieu agrée d'abord la vie. L'âme qui est venue devant lui. Ce qui agré à moi, c'est alors qu'il a agréé peut offrir à Moutouana. C'est là où aussi, oh Jésus, donc, c'est là aussi intervient ma prédication et ma représentation. Donc, Moutouko Tambolaté, dans l'église, a Kenesouko Baksam Malère du Kola Vinaye. Or, lorsque nous venons vers Dieu, c'est pour être transformé, c'est pour être sauvé. C'est dans lui le Christ qui habite les salis. La Bible dit il y a ni sali en aucun autre nom si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Donc mon temps qu'on prenait un thème mot mort au pambolara. Aujourd'hui on a des pasteurs à l'endroit la femme mariée à Batubilamba à Pakola ma foute dans l'appareil génito à Sokola et Bilamba à Sokola et Mutaka la femme mariée à Batu. N'écrit-il ni la base biblique ni donc autrement. En esprit, au salaire, comme on a moi ça battu, mais il y a un moment où on a un service, on a un service sacerdotal.
Nous tous sont ma sœur et l'on reçoit Luka. On a banaté. Aïe, que Luka ban n'est pas là. Il faut que l'on ait ses masses dans la carte de Poba Nojabana. Pour moi, ses masses en balle sont puissantes. Et mon balle est salaté. Et mon balle est salaté. Donc il faut que ses masses dans la carte. Mais ma sœur, on a besoin tellement dans la poche à robot. A ou d'agri, le balle est dans le coup. A pensé ma colandimi, à Sangaï, un pasteur. Automatiquement, tu reçois dans toi les démons. Les esprits mauvais. Et là, c'est bien parce que nous avons un peu comme ça. Pasteur à Simbaye, pasteur à Kouchanaye, même Bamibali. Et comme ça, nous avons un peu. Je connais une maman pasteur à Tchangou. Il y a un mec qui a un frère qui est mort. Donc, il y a un peu de problème. Abonné à Ponayo. À Samuel Ponayo, mais beaucoup de gens qui sont venus, ils commencent à la normale. Donc, il y a des gens comme ça. Nous devons que nous avons un peu de problème. Nous devons un problème. Aïe, la lécan, c'est vraiment que nous avons un peu. Mais réalité, ce qu'on a coûté, c'est que quand mon pasteur a présenté, loin au pasteur a présenté, ils ont biblique. C'est alors que ma vie a battu belé, ils ont couffé. C'est alors que ma vie a battu belé, ils ont béba. Or, le danger est que si l'éternel revenait aujourd'hui, Moutou, attends, il y a un peu de temps à Zorobiko, à l'oukapé, Nanzambé, Nanzambangouan, à Romon a été. Pourquoi? Parce que non seulement il y a Moko, mais il y a un peu de temps à Zorobiko. Mais les bergers qui ont été détournés dans le Zambé, c'est alors que l'écriture dit malheur au pasteur, au besoin de détourner dans la vérité. C'est-à-dire que Dieu sait que ça allait arriver, qu'il y aura des pasteurs sur la terre qui vont détourner dans la vérité et en Zambé. Nous avons dit que nous sommes dans le Zambé, qu'il y a une église, qu'il y a un problème, qu'il y a un sami, qu'il y a une église, qu'il y a un démon, qu'il y a une spéciale solution. Plus tard que Béba, c'est pourquoi je disais au début de l'esprit de discernement. Nous nous avons un miracle qui est dans le Zambé. Le miracle n'est pas l'approbation de Dieu dans un homme. La prophétie n'est pas l'approbation de Dieu dans un homme. Ma prodige, à Kangimboula, à Lucolom, à Bessimboula, à l'église, à Monango, ma pasteur, à Bessamboula, à l'église, 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 ainsi bien les anzambe na sali yango. Or c'est parce qu'il travaille avec les démons. Donc tant que c'est battu, les gens battent la roue et frappent un ami soit pharisien. Tant que mon ami ah koto lise roulia makasi, koto miracle ya makasi. Si la prophétie et le miracle n'est pas lié à la parole de Dieu, bozongo bolinga ngobo tchango na moto bobokango libanda. Le miracle, la prophétie et tout doit être lié à la parole de Dieu. Et bantu wa moni ma ramonde ngwana. Or, il faut d'abord attendre mon miracle. Attendre mon au balou si maï. Y a plein de comme orange, comme vert, le roi la prophète Ézéchiel. Il faut n'aille pas réellement par l'esprit de discernement. Est-ce que le miracle est un zambé? Toi, un zambé. Est-ce que ma camboine est un zambé? Et où tu vas un zambé? Parce que le diable peut tout faire. Ce que Dieu fait, le diable aussi peut le faire. Mais seulement la finalité. Dès la repère, ça me enrichir. Et comme il va chagrin, car il est écrit seul la bénédiction de l'éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire que le diable peut te bénir, mais enrichir et qu'on a un chagrin. C'est pourquoi depuis aux oiseaux, et pas passer à mon roi à qui bah, tiens, demain, à quatre naïo, nous avons moins d'abé la belarac, au bout de moins d'abé la belarac, au bout de moins d'abé la belarac. Mais face à tout ce qui se passe quand même. Dans l'église, tout à l'heure, ah ouais, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas appelé, et surtout ceux qui sont non appelés, au fait, tout le monde a mandaté, côté pas dans un métier. Arrêtez quand même de tourmenter les autres, arrêtez de déranger les autres, parce que je crois que mon tour dans mon tour, on a un zambapé, ça qui est.